jor un éminent scientifique de la planète Krypton, tente de convaincre ses dirigeants que celle-ci va être détruite par son noyau instable. Cependant, ses avertissements sont ignorés et Jor-El prend la décision d'envoyer son fils Kal-El dans une capsule spatiale vers la Terre où il pourra survivre. La capsule atterrit dans une ferme au Kansas où il est découvert par un couple de fermiers qui décident d'adopter le garçon et de le nommer Clark Kent. Au fil des années, Clark réalise qu'il possède des pouvoirs surnaturels, comme une force colossale, une vitesse incroyable et la capacité de voler. Après la mort de son père adoptif, Clark entend un appel mystérieux, promenant d'un cristal dans la grange familiale. Ce cristal le guide au pôle nord, où il découvre ses véritables origines grâce à un enregistrement holographique de son père biologique. Devenu adulte, Clark déménage à Metropolis et obtient un emploi de journaliste au Daily Planet, tout en menant une double vie en tant que Superman. Dans le même temps, l'ex-Luthor, un génie criminel mégalomane, élabore un plan pour détruire la côte ouest des États-Unis en provoquant un séisme massif. Mais c'est sans compter sur Superman qui va tenter de faire capoter son plan diabolique. Avant de s'engager dans Superman, Richard Donner avait réalisé la malédiction qui sera un très grand succès commercial. Exténué par l'énorme travail que lui a demandé Superman, il décide de revenir à un projet bien plus modeste et personnel avec le drame Rendez-vous chez Max, qui raconte la relation instable et troublée entre un homme qui a tenté de se suicider et qui suite à cet acte est devenu handicapé, et un joueur de basketball qui n'a pas d'argent pour payer l'opération de son genou. Christopher Reeve est né le 25 septembre 1952 à New York dans une famille de journalistes et d'universitaires. Après ses études à l'université, il intègre la prestigieuse Juilliard School à New York. C'est là qu'il rencontre celui qui deviendra plus tard son ami Robin Williams. Sa carrière connaît un tournant décisif en 1978 lorsqu'il est choisi pour interpréter Superman dans le film de Richard Donner. Il incarnera le personnage dans trois autres suites dont la qualité déclinera au fur et à mesure. Si le second épisode est d'un très bon niveau, et que le troisième se laisse regarder sans déplaisir, le quatrième est d'une médiocrité sans nom et marquera la fin de ce super-héros au cinéma pour de nombreuses années. Bien qu'il soit principalement connu pour ce rôle, Rive a démontré une gamme d'acteurs diversifiés au fil des ans, jouant dans des drames, des thrillers et des films d'époque, parmi eux, Quelque part dans le temps, réalisé en 1980 par Janos Vark, un joli film entre romance et science-fiction, dans lequel Rive interprète un dramaturge qui voyage dans le temps pour retrouver une femme qu'il a vue sur une photographie. Monsignor, un drame de Frank Perry. Le thriller psychologique de Sidney Lumet, Piège Mortel, où Rive affronte Michael Ken. Alors, je crois que je vais tout simplement en faire des photocopies et je vais les envoyer. Et j'ai la liste des agents que vous nous avez donnés lors du séminaire. Je verrai s'ils estiment qu'il faut faire certaines modifications. Et je reviendrai vous supplier de faire ce que Mme Broul vient de vous demander. Bien entendu, à ce moment-là, vos conditions seront les miennes et pourquoi pas les mêmes que Kaufmann vous avait faites. Euh. J'espère que je ne vous ai pas froissé. Loin de là. La rue de Jerry Chatsberg. les vestiges du jour, remarquable film de James Ivory, le remake du Village des damnés de John Carpenter, son dernier rôle puisque peu de temps après la sortie du film, Christopher Reeve est victime d'un grave accident d'équitation qui le laisse définitivement paraplégique. Malgré cette paralysie, Reeve fait preuve d'un courage et d'une résilience incroyables. Parallèlement, il continue à travailler pour la télévision et reprendra le rôle de James Stewart dans le remake de Fenêtre sur cour en 1998. Christopher Reeve décède le 10 octobre 2004 des suites d'une infection liée à son état de santé. Son héritage reste non seulement à travers son interprétation iconique de Superman, mais aussi grâce à son travail philanthropique en faveur des personnes handicapées. Ackman n'avait pas connu de véritable succès public avec les films qui ont précédé Superman. En 1977, il sera à l'affiche, mais dans un rôle secondaire, dans le film de guerre Un pont trop loin de Richard Attenborough, et Il était une fois la légion de Dick Richards. Après Superman, il apparaîtra aux côtés de Barbara Streisand dans la comédie romantique La vie en mauve, réalisée par le Belge Jean-Claude Tramont, et dans une courte scène du biopic Reds de Warren Beatty. Des fragments de la planète Krypton sont projetés en masse dans l'espace sidéral. Et l'on peut imaginer sans peine qu'un nombre de particules de ces débris est dérivé sur la Terre. Et voilà Et c'est le cas de Superman à travers le plomb. Il ne voit rien à travers le plomb Et la kryptonite peut le détruire. Alors comme ça, le feu et les balles ne lui font rien à ce type, mais ce petit bout de météorite pourra l'anéantir. Marlon Brando est né le 3 avril 1924 dans le Nebraska. Issu d'une famille marquée par l'instabilité émotionnelle, notamment avec un père distant et une mère alcoolique, Brando a trouvé refuge dans le théâtre dès son adolescence. Il a d'abord brillé sur les planches avec son rôle dans la pièce A Train de, de Tennessee Williams, mise en scène par Elia Kazan en 47 à Broadway. Il a ensuite repris ce rôle pour l'adaptation cinématographique en 51, obtenant sa première nomination aux Oscars et imposant son style unique à Hollywood. La carrière de Brando s'est étalée sur cinq décennies, marquée par des rôles iconiques dans des films tels que L'équipé sauvage où son interprétation d'un motard rebelle fait de lui un symbole de la rébellion juvénile et de la contre-culture des années 50, sur les quais, toujours sous la direction d'Elia Kazan, et pour lequel Brando décroche son premier Oscar du meilleur acteur pour ce rôle d'ancien boxeur devenu Docker. Suivront les révoltés du Bounty où il incarne le célèbre mutin Fletcher Christian et le shérif Colder dans le chef-d'œuvre La Poursuite impitoyable réalisé par Arthur Penn en 66. Dans les années 70, Brando tourne dans une poignée de films cultes voire polémiques. Le parrain de Francis Ford Coppola qui lui vaudra son deuxième Oscar du meilleur acteur. Oscar qui le refusera en signe de protestation contre le traitement des amérindiens à Hollywood. Le dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci qui fut interdit dans de nombreux pays, Missouri Break, faux western d'Arthur Penn dans lequel Brando affronte l'autre star du moment Jack Nicholson, Superman de Richard Donner et Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Sa brève performance dans le rôle du colonel Kurtz reste l'une des plus intenses de sa carrière. Après ce film, Brando prendra une semi-retraite en apparaissant dans quelques films plus anecdotiques, dont La Formule de John G. Avildsen, le remake raté de L'île du docteur Moreau de John Frankenheimer et The Score de Frank Oz, son dernier rôle. Brando a été un des premiers acteurs à utiliser sa célébrité pour faire avancer des causes sociales et politiques. Il a soutenu activement le mouvement des droits civiques dans les années 60 et a été un fervent défenseur des droits des Amérindiens. Son décès en 2004 a marqué la fin d'une ère, mais son impact sur le monde du cinéma et son héritage d'acteur révolutionnaire perdurent. Mes amis, je ne suis pas d'un caractère fougueux ou impulsif. Je n'ai pas l'habitude de faire des rapports sans fondement. Je dis qu'il est de notre devoir d'évacuer notre planète immédiatement. Cette planète va exploser dans un délai de 30 jours, peut-être avant. Et moi je dis que Krypton se déplace simplement sur son orbite. Margot Kidder est née le 17 octobre 1948 au Canada. Elle a grandi dans une famille franco-canadienne et anglo-irlandaise et a débuté sa carrière dans des productions télévisées canadiennes avant de décrocher ses premiers contrats au cinéma dans les années 70. Avec des films à petit budget tels que Sœur de sang de Brian De Palma et Black Christmas de Bob Clark. Mais le rôle qui a véritablement propulsé Margot Kidder au rang de star est celui de Lois Lane, la journaliste intrépide de Superman. Après ce film, on a pu la voir en 1979 dans le moyen Amityville, La maison du diable de Stuart Rosenberg. Mais sa carrière marque le pas dans les années 80 avec très peu de projets en dehors de la franchise Superman. Elle fera toutefois une apparition dans Louisiane, réalisée par celui qui sera son mari le temps de quelques mois, Philippe de Broca. Au début des années 90, un grave accident de voiture l'éloignera des plateaux pendant plusieurs années. Margot Kidder a souffert également de problèmes de santé, notamment d'un trouble bipolaire. En 94, Richard Donner lui offrira un petit rôle dans Maverick, et elle fera quelques apparitions dans des téléfilms et dans la saison 4 de Smallville en 2005. Margot Kidder est décédée en 2018 à l'âge de 69 ans. Selon les autorités, sa mort a été qualifiée de suicide par overdose de drogue et d'alcool. Oui, d'accord, vous voulez pas qu'on le sache. Bon, ben j'insiste pas. Euh, vos mensurations, combien faites-vous euh, Votre taille, je veux dire. 1m92. 1m92. Et euh, euh, vous pesez combien Environ 102-103 kilos. Du point de vue physique, vos fonctions sont normales J'ai pas très bien saisi. En termes plus délicats, est-ce que... Est-ce que vous mangez Euh oui. Oui, je mange. Comme tout le monde. C'est drôle. De nombreuses autres célébrités sont à l'affiche de Superman, la plupart dans Des rôles assez courts. Susanna York, vue entre autres dans On achève bien les chevaux de Sidney Pollack. Jackie Cooper, qui a été un des plus célèbres enfants acteurs dans les années 20 et 30. Glenn Ford, un acteur très populaire dans les années 60 et qu'on a vu dans « Graines de violence » de Richard Brooks, ou dans ce classique du western « 3h10 pour Yuma » de Delmer Daves, Trevor Howard, grand acteur britannique qui est apparu dans de nombreux films de guerre et historiques. Ned Betty, qui avait fortement marqué le public dans une scène de délivrance, réalisée par John Borman en 72. Terence Stamp, autre grand acteur britannique présent seulement quelques minutes dans Superman, mais qui sera le grand méchant de Superman 2, j'aurai l'occasion de revenir sur sa carrière dans une prochaine rétrospective, et même Larry Hagman, le JR de la série Dallas, qui venait de débuter sa diffusion à la télé américaine. Après le succès du premier volet des Trois Mousquetaires réalisé en 1973 par Richard Lester, les producteurs Alexander et son fils Ilya Solkan se retrouvent pour un dîner à Paris afin de discuter de leur prochain projet. Quelques jours avant, Ilya se promène dans les rues de la capitale et tombe sur l'affiche de Zoro avec Alain Delon. L'idée de produire un film avec un héros costumé gerbe dans sa tête et il pense immédiatement à Superman. La première étape fut de convaincre son père Alexander qui, contrairement au fiston, n'avait jamais entendu parler de Superman. So I explained to him what it was. I said, Superman is a man who flies, who can do this, who is good, has terrible enemies and all kind of fantastic things happen. And he, he immediately clicked. When Elia mentioned it, I started reading all the stuff about. And uh, I believed it could be very good as a major film if it will be done right. Il faut savoir qu'aux États-Unis, dans les années 70, Superman était un personnage déjà bien établi dans la culture populaire, notamment grâce aux bandes dessinées et aux séries diffusées dans les années 50. Faisons un petit retour sur la création de ce super-héros. Tout commence en 1933. Un jeune de 17 ans, Jerry Siegel, est dans son lit, à Cleveland, dans l'Ohio. Il regarde passer les nuages et d'un coup, il a la vision d'un homme volant au milieu des nuages. Le lendemain, il appelle son ami dessinateur Joe Schuster. Et en une semaine, il crée un authentique mythe américain. Le personnage de Superman est apparu pour la première fois en 1938 dans Action Comics, puis en 1940 il devient le héros d'une série radiophonique diffusée jusqu'en 1951. Oh, thank heaven, The locker empty. Now. Out of these Superman's turn now. Oh, someone's coming. The window. Out. And up. Up. Les premières adaptations en dessin animé ont été deux séries de 10 minutes produites par les Fleischer Studios et par Femous Studios de 41 à 43. Kent, you help Lois follow up her lead. She may have an angle on this thing. Yes, sir. But Chief, I'd like the chance to crack the story on my own. Well, no. Thanks, Chief. But Lois. <coughs> Puis deux séries mettant en scène un Superman en chair et en os sont apparues en 48 et 50. Enfin, le long métrage Superman et les nains de l'enfer voit le jour en 51 avec George Reeves dans le rôle de Superman. Save your time and ammunition, Benson. Le succès du film incita la Warner à produire une nouvelle série télévisée avec toujours George Reeves. Retour en 1974 avec les Solkine qui, après de dures négociations, obtiennent les droits de Superman auprès de DC Comics. Pour rendre le projet encore plus attrayant, ils prennent une décision ambitieuse, tourner Superman et Superman 2 en même temps, et embauchent le célèbre scénariste du parrain Mario Puzo, qui aura la tâche d'écrire l'histoire des deux films pour la modique somme de 600 000 dollars. Pendant que Puzo travaille sur le scénario, les Soulkind se mettent à la recherche d'un réalisateur. Plusieurs noms sont évoqués comme Peter Yates, Francis Ford Coppola, William Friedkin et même Steven Spielberg, qui venait de terminer le tournage des Dents de la Mer et qui voulait faire le film. Puis les Dans de la Mer est sorti avec le succès que l'on sait et Spielberg déclinera l'offre pour s'attaquer à une œuvre plus personnelle, Rencontre du troisième type. C'est finalement l'horisateur de Goldfinger, Guy Hamilton, qui sera choisi pour mettre en scène le super-héros. Pour attirer encore plus l'attention sur le projet, les producteurs recrutent Marlon Brando, l'un des plus grands acteurs de l'époque, pour incarner Jor-El, le père de Superman. Brando accepte pour un salaire astronomique de 3,7 millions de dollars. Et 11% pour cent des recettes brutes du film pour seulement 12 jours de tournage. I always was impressed with the smile that you got in the morning with American crews, was all too often in direct proportion to the salary you were getting. And it was two teeth for $200,000, hundred ten teeth for a million, and if you're getting two million, it was the full Flatbush Cemetery. Quant à Gene Hackman, il est choisi pour incarner Lex Luthor.

totally different than i had I had pictured it in terms of, of i saw there was a great deal of latitude there that i could maybe have some fun with it to, um, that there was some uh, it was written well enough so that there would be some uh, comedic value well you can, you can see by looking at this, this suit that i have on this is not my real clothes i hope you understand but it's uh, a certain style a kind of a, a panache that the man the character has that uh, it's fun to play Le projet est maintenant sur la bonne voie, mais les premiers problèmes de production ne vont pas tarder. En effet, une partie du tournage devait se dérouler en Italie, sauf que Marlon Brando découvre qu'il ne peut pas tourner là-bas en raison du procès qu'il a condamné à de la prison avec sursis et à une forte amende pour obscénité suite à la sortie du sulfureux Le Dernier Tango à Paris. Les Solkine, qui avaient déjà dépensé 2 millions de dollars pour la construction des décors, déménagent en Angleterre à la fin de l'année 76. Mais cette fois, c'est Guy Hamilton le problème. Car il était exilé fiscal et ne pouvait pas rester plus d'un mois au Royaume-Uni. Exit donc Hamilton. C'est après avoir vu la malédiction que les producteurs proposent à Richard Donner de réaliser les deux Superman. Donner accepte, toutefois, il trouvait le script de Mario Puzo trop volumineux et qu'il contenait plusieurs aspects comiques jugés trop excentriques pour l'époque. Donner voulait une approche sérieuse et respectueuse du personnage de Superman et le montrer non pas comme un sujet de moquerie, mais comme un symbole d'espoir. Pour le cinéaste, même dans un monde fantastique, tout devait sembler crédible et authentique. La tâche de réviser le scénario est d'abord confiée à Robert Benton et David Newman, avant que Donner fasse appel à son ami scénariste Tom Mankiewicz pour écrire la version finale. Alors que le tournage approche, Solkine, Donner et Mankiewicz sont allés rencontrer Brando pour discuter des costumes. Après les avoir fait attendre une heure, la star apparaît enfin, puis suggère avec insistance que Jor-El pourrait être une valise ou un baguette vert. Qui parlerait avec la voix de Brando. En entendant ces paroles, les producteurs sont en sueur, mais ils se sentent prêts à céder aux propositions extravagantes de Marlon Brando. Heureusement, Donner a pris les devants. Après son discours, Brando regarde le réalisateur droit dans les yeux et lui dit Tu ne penses pas que ce serait génial, Dick Et Donner de lui répondre calmement Marlon, je pense que les gens veulent voir Marlon Brando jouer genre elle, ils ne veulent pas voir un bagel vert. A partir de là, il n'y a plus jamais eu de problème avec l'acteur. Le rôle de Superman est essentiel pour le succès du film, et les producteurs souhaitent recruter un acteur de renom pour attirer le public. I I thought it should be an unknown at the beginning. Now they all started working on me and the commercial side said we need a star. After we had Puzo and the director, we need a star. So movie really goes right to the top. And I, you know, I there's a moment where you weaken and I said, well, you might be right. So we started looking for stars. Deux grands noms comme Robert Redford, Nick Nolte, Bert Reynolds, Paul Newman, James Kahn ou encore Sylvester Stallone sont envisagés, mais Richard Donner veut un inconnu pour éviter que la célébrité de l'acteur n'éclipse le personnage. Christopher Reeve, âgé de 29 ans et qui avait seulement fait une apparition dans le film Sauver le Neptune, est alors proposé par le directeur de casting. Cependant Reeve est jugé trop maigre pour incarner un super-héros, et le nom est mis de côté par les producteurs qui poursuivent leurs recherches. Mais la perle rare se fait attendre et le casting devient si désespéré qu'un essai complet a été organisé pour le dentiste de la femme du fils Solkine qui présentait une ressemblance frappante avec Superman. Finalement, le nom de Rive revient toujours dans la tête des producteurs qui suggèrent à Richard Donner de lui faire passer un bout d'essai, bout d'essai qui a stupéfié le réalisateur. Because I thought, oh my God, I've got to look stronger, you know. And I knew I was skinny. I'd been sitting around, hadn't been exercising. I mean, I get out and play tennis and stuff, but I don't, in any way, do body stuff. So I got the biggest Shetland sweater I could find up in my attic, and went to this audition with it, and sat there, sort of, you know, sort of trying to be, trying to look bigger, you know, and everything like that. I realized there must be many questions about who the world I'd like to know the answers to, so it's become important to me to have close relations with the press. All right, now you really shouldn't smoke, you know. Voilà, tout le monde est soulagé, ils ont enfin trouvé leur superman. Par la suite, Reeve suivra un programme intensif de musculation pour prendre du poids et se forger une carrure imposante, grâce à un entraîneur de renom, David Prose, qui avait incarné Dark Vador dans La Guerre des Étoiles. And who had also been Superman. On this diet, I eat four times a day. Uh, I, tell, I tell you, I tell you, I'm on a high a meat diet, a protein diet, uh, vitamin pills, nothing like steroids or anything like that. But um, I mean, I get to eat as much of as anything that I want, and it's, it's great, you know. The thing is, that on this part particularly, you have to start from the outside and work in. You can you can do all the interior work you want to do, and it's still it's not going to get you to Superman if you don't have the physical strength to go with it what sets superman apart is that he has the wisdom to use his power for good he has all these powers but he's got, he's got the kind of maturity or he's got the innocence really to look at the world very very simply and that's what makes him so different when he says i'm here to fight for truth justice and the american way you everybody goes <coughs> you know but he's not kidding. pourtant c'est l'interprétation de clark parive qui a vraiment porté le film. Rive a lissé ses cheveux, arrondi ses épaules, s'est courbé et a élevé la voix pour jouer le rôle du journaliste aux manières douces. Cette interprétation a rendu plausible ce personnage qui n'arrêtait pas d'ajuster ses lunettes sur l'arête de son nez et qui pouvait croiser les gens sans que personne ne soupçonne qu'il était bel et bien Superman. I was Um, we came back during the course of the filming on Clark, and we sort of eased him up a little bit because he was just a little too broad. The voice was a little too funny, he was bumping into too many doors, he was just a little bit too much out of control, and I substituted a kind of eagerness and sort of desire to please instead, so that half the time he bumps into the door the next time he walks through it absolutely you know, uh, smoothly so that so they not trying to keep the audience off guard, not not know what he's going to do. for the character of Lois Lane, plusieurs plus ou moins connues ont été auditionnées Lesley Anne Warren, Debra Raffin, Anne Archer et une certaine Margot Kidder qui est arrivée à l'audition avec des bottes et un chapeau de cow-boy. Richard Donner et les producteurs ont été convaincus par ses essais et lui ont confié le rôle. <laughs> This is Clark pouvait me voir maintenant! He... Clark? Qui est-ce, votre Clark? Oh non, il est. He's uh, Il nothing. est nothing. He's dull, Il est très. Mild mannered, you know the type. Oh, I'm sure he's really very nice. <laughs> well, where are you going? Well, I'm going to get a coat. Isn't it kind of cold up there? Oh no, no, you'll be warm enough. I'll wrap you up in my cape. A slow. Slow. la photographie, on retrouve le grand Geoffrey Unsworth qui avait fait la lumière de 2001 l'Odyssée de l'espace, de Zardoz ou d'un pont trop loin, et qui décédera peu de temps après le tournage de Superman. Le film lui sera d'ailleurs dédié. Le projet ambitieux de tourner deux films en même temps ajoute une pression énorme sur le calendrier de production. Le tournage commence en mars 1977 avec la séquence déroulant ce Krypton, qui a été quelque peu ralentie par les méthodes de jeu de Marlon Brando. Celui-ci prétendait qu'il était moins encombré lorsqu'il pouvait lire les répliques plutôt que de les mémoriser. Il insistait pour qu'elles soient toutes écrites sur des fiches. Ces fiches étaient ensuite collées au cadre de la caméra ou sur un chariot à roulettes pour lui permettre de se déplacer librement. Specific charges listed herein against these individuals, their acts of treason, and ultimate aim of sedition. These are matters of undeniable fact. There's nothing more boring than a director who directs an actor to go to the door and stop and then turn around and say, martha, goodbye. you know that's going to come. <laughs> so, if you don't know what the words are, but you have a general idea of what they are, then you look at the cue card, but it gives you the feeling as the viewer, hopefully, that the person is really searching for what he's going to say. But he doesn't know what he's going to say. so, who? so we'd only get as far in this one in this one we'd only get as far as, 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 as like your look at your shoes. <laughs> 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 yeah but you did this. <laughs> mais les complications sur le tournage s'accumulent donner et son équipe doivent jongler entre les scènes de superman et celles de superman 2, ce qui crée des tensions sur le plateau. Le budget initial de 55 millions de dollars explose, atteignant environ 70 millions en raison de la complexité des effets spéciaux et des retards de production. Donner, perfectionniste, est en conflit constant avec les producteurs qui souhaitent parfois des solutions plus rapides ou moins coûteuses. Cependant, le cinéaste insiste pour maintenir une qualité cinématographique élevée, ce qui allonge la durée du tournage au grand désarroi des Solkan et de leur associé Pierre Spengler. Chain. There's Just like, remember there's a wire on your neck. Yeah. And don't touch those wires together. You'll be short circuited, and <laughs> you'll go up in flames. Mind over muscle. You don't even care where the other missile's headed, do you? On the contrary, I know exactly where it's headed. Hackensack, New Jersey. Les dépassements de budget et les fortes tensions ont finalement conduit les producteurs à embaucher Richard Lester pour s'occuper de Superman 2. Bien que Lester ait initialement rejoint le projet pour servir d'intermédiaire entre le réalisateur et les producteurs, ne reconnaît que le fait d'avoir un second réalisateur sur le plateau signifiait qu'il y avait quelqu'un de prêt au cas où Donner ne pourrait pas remplir ses fonctions. Is it true that you can See through anything. That's, that's yes, I can pretty much okay. see. I, I feel. I'm not even her hung up there. Because no, no, no. I'm not. Just drift I'm on her face. Okay. But she's stealing the scene from you. There. <laughs> don't worry about it. <laughs> okay. okay, here we go. Uh, is it uh, true that um, that you can see through anything? Uh, yes, yes, I can pretty much. And that you are totally impervious to pain. Well, so far. Finalement, après avoir filmé environ 75% de Superman 2, les Salkinds décident de mettre ce projet en pause pour se concentrer sur la finalisation de Superman 1. Jack O'Halloran, qui joue Noon, dira plus tard que c'était génial de travailler avec Donner et que Richard Lester était un connard aussi gros que les Salkinds, ce qu'avait déjà laissé sous-entendre le compositeur John Williams. J'y reviendrai. Makeup? Can we rehearse, please? Wait, makeup for the makeup. lips. Lipstick! Now, I, I want it to go ac across the mouth like this. Well, I suggest um, vigorous chest massage. If that doesn't work, mouth to mouth. Yes, sir. Sergeant, I wouldn't let a man of mine do anything I wouldn't be prepared to do. But, sir. All right, get on the radio, get an ambulance. I'm not going to let this hold the convoy up any more than I have to. I've never done anything this outrageously comical before. Well, look. I mean, you know, the bracelets, the uh, you know, the wig. I thought it may have worked, but all right. Uh, I'm one step above a moron. I have terribly good intentions, but I'm an awfully bad, bad guy. <laughs> L'un des plus grands défis du film est de convaincre le public qu'un homme pouvait voler. Les premiers tests effectués, dont certains étaient assez farfelus, n'ont convaincu personne. On peut en voir quelques-uns ici. Finalement, plusieurs techniques ont été employées par Colin Chilvers, le superviseur et directeur des effets spéciaux, notamment des câbles et un bras mécanique, ainsi que l'utilisation du compositing sur fond bleu et de la projection frontale. Christopher Reeve a souvent été suspendu par des câbles invisibles qui étaient attachés à des harnais portés sous son costume. Les câbles très fins étaient difficiles à voir à l'écran, mais ils ont posé de nombreux défis techniques. Ils devaient être suffisamment résistants pour supporter le poids de l'acteur tout en lui permettant de bouger librement. Notamment lors des séquences où il s'est lancé dans les airs ou atterrissait. Le mérite d'avoir fait voler Superman revient bien sûr à Zoran Perisic, qui a conçu le procédé optique sur mesure, optique pour filmer une projection sur écran frontal avec deux objectifs zoom, l'un sur le projecteur et l'autre sur la caméra qui étaient verrouillés ensemble. Cela permettait de zoomer sur Rive pour donner l'impression qu'il volait vers ou loin de la caméra et de filmer Superman en vol au-dessus de décors impressionnants tels que la ville de Metropolis ou des montagnes avec un rendu visuellement saisissant pour l'époque. L'une des premières démonstrations publiques des pouvoirs de Superman a lieu dans le film lorsqu'il sauve Lois Lane d'un hélicoptère qui s'est écrasé au sommet d'un immeuble de Métropolis. Une scène qui a nécessité plusieurs semaines de tournage et là aussi différentes techniques ont été utilisées telles que des effets physiques, du cache-pain, de la projection frontale ou des effets optiques. Pour le crash, l'équipe de Colin Shivers a construit une maquette d'hélicoptère grandeur nature, puis l'a truquée pour qu'elle s'écrase contre une enceinte en verre et tombe sur le côté de l'immeuble. La maquette a ensuite été fixée au-dessus du bâtiment par des grues pour cette partie du plan où Lois Lane est suspendue dans le vide. Pour les plans du building en contre-plongée, le bas est réel et a été filmé à New York, la partie supérieure est une peinture sur verre et l'hélicoptère est une miniature. Dans la scène emblématique où Superman doit sauver la Californie après qu'un tremblement de terre ait provoqué la rupture d'un barrage, l'équipe d'effets spéciaux dirigée par Derek Meddings a utilisé des miniatures pour représenter la destruction. La séquence est un mélange de prises de vue en extérieur pour les scènes avec les acteurs et des maquettes détaillées inondées d'eau pour créer l'illusion d'une catastrophe naturelle. Meddings et son équipe ont construit de petites versions du barrage, des rivières et des bâtiments. Pu filmer ces modèles à haute résolution pour les intégrer de manière crédible dans les scènes. Pour la scène où Superman empêche un bus de tomber du pont, une maquette du Golden Gate de 20 mètres de long et de 6 mètres de haut a été construite. Les accidents de voiture sur le pont étaient un mélange de maquettes et de cascadeurs sur une piste désaffectée. La planète Krypton était une combinaison d'un décor grandeur nature, de miniatures et de peintures sur verre. Le coup de pied du jeune Clark Kent a été exécuté avec un ballon de football en bois chargé dans un blaster à air comprimé placé dans le sol. Pour la scène où Clark Kent jeune fait la course avec le train, de nombreuses techniques ont été testées pour la rendre crédible. De la simple modification de la vitesse au montage, au flou de mouvement, mais aucune ne donnait satisfaction. L'effet a finalement été réalisé à l'aide de deux câbles fins soulevés par un camion grue qui roulait à côté de l'acteur ou devant, ce qui donnait l'impression que Kent flottait juste au-dessus de la route. Les effets spéciaux de Superman ont marqué un tournant dans l'industrie du cinéma. Ils ont permis de prouver que des histoires de super-héros pouvait être porté à l'écran de manière crédible et spectaculaire, ouvrant la voie aux futurs films de super-héros. A l'époque, Superman a été salué pour ses innovations techniques et a reçu une mention spéciale aux Oscars pour ses effets visuels. Le tournage principal s'est achevé en octobre 78 et aura duré 19 mois. Il aura fallu 3 ans et demi de préparation au total avec 11 équipes de tournage et plus de 1000 techniciens répartis sur 3 continents. Californie, <laughs> saluons la nouvelle côte ouest la ah? côte, ah. Costa del Luthorville, Marina del lex, Otisburg. Otisburg. oui mais c'est un tout petit patelin, Otisburg. c'est entendu, d'accord, d'accord, je l'ai fait, je vous on va pas se disputer, Jerry Goldsmith devait à l'origine s'occuper de la musique, mais le tournage ayant pris du retard, il a dû céder sa place pour honorer ses autres engagements. Le choix s'est donc porté sur John Williams, déjà célèbre pour ses travaux sur Les Dents de la Mer et La Guerre des Étoiles. La musique de Superman, enregistrée avec le célèbre London Symphony Orchestra, donne un souffle épique au film et joue un rôle clé dans la construction de la mythologie du personnage. De nombreuses éditions ont vu le jour, un double album vinyle au moment de la sortie du film. Puis plusieurs CD contenant plus ou moins l'intégrale de la partition. La plus récente date de 2019 et contient plus de 2h30 de musique. Le thème de Superman se compose de trois motifs principaux la fanfare, la marche et le love theme. The hero theme, which is Superman himself, which is made up of several parts, is kind of a fanfare. Each time he opens his his shirt, you get this sort of three-note Superman musical motif that precedes the exposure of his shirt

Porté par les cuivres et soutenu par les cordes et les percussions. Enfin, le Love theme intervient au milieu de ces 5 minutes et à nouveau basé sur la fanfare d'ouverture et transposé dans une tonalité plus douce. Ce très beau thème romantique sera utilisé de manière plus lyrique dans la scène où Superman vole avec Lois Lane au-dessus de Metropolis, ainsi qu'au générique de fin dans un tempo plus lent. Avec ce seul générique, Williams aurait pu se reposer sur ses lauriers, mais la bande originale inclut plusieurs thèmes secondaires qui renforcent la dualité du personnage et sa complexité. Alors que le thème principal représente le héros, des motifs plus doux expriment l'humanité de Clark Kent et sa quête d'identité. On peut les entendre dans le magnifique Jonathan's Death et dans Living Home. Le thème de Krypton est un autre élément clé de la partition. Ce morceau est caractérisé par une ambiance mystérieuse et majestueuse. On y entend des cordes douces, des pianos arpégés et des instruments électroniques subtils, créant une atmosphère de grandeur et de tristesse. Enfin, l'explutor a bien sûr son thème qui est à l'image du personnage, à la fois grotesque et drôle, joué par des bois ou des cuivres, souvent dans le registre du grave. La bande originale de Superman est une œuvre magistrale, une des meilleures partitions de Williams qui a contribué de manière essentielle au succès du film. Elle est devenue indissociable du personnage, au point que même des décennies après, le thème principal est encore immédiatement associé à Superman dans l'imaginaire collectif. One of the essential things about the film to me was the fact that it was fun and didn't take itself too seriously. And the way Richard had directed it, and particularly the way Chris and Margot had played the parts, that it had an almost kind of theatrical camp, if you like, to it that, was, that didn't take itself too seriously. And that if one could strike a level of, of, of theater and, and sleight of hand and tongue in cheek, I tried to have the music constructed in such a way that it would be heroic and big and operatic but John Williams devait bien sûr composer la musique de Superman 2 et était même venu à Londres pour visionner le film aux côtés du nouveau réalisateur Richard Lester, mais ils ne se sont pas entendus du tout. À la fin de la projection, John Williams est allé voir Elias Solkine en lui disant tout simplement qu'il ne pouvait pas travailler avec cet homme. On commence comme d'habitude avec l'affiche US et la française qui reprend l'identique l'original. On ne peut pas dire qu'elle soit extraordinaire. Le titre est également plus gros sur l'affiche américaine. Une seconde affiche avec simplement le S du Superman a servi à la promotion du film. Deux affiches ont été utilisées pour l'exploitation au pays du soleil levant. La reprise de l'original entièrement en japonais et une autre avec Margot Kidder dans les bras de Superman avec cette fois le titre du film et la tagline en anglais. Du côté de la Thaïlande, ce n'est pas si mal que ça, même si Superman semble être un cousin éloigné du Superman de Christopher Reeve. La turque semble venir de la couverture d'un roman photo qui aurait été tiré du film. Enfin, la yougoslave est assez basique avec ce fond jaune canari et une image promotionnelle de Superman au centre. Finalement, ma préférence va pour la seconde affiche américaine. Le film sort sur les écrans américains le 15 décembre 1978 et le succès sera foudroyant grâce à une énorme et habile campagne de publicité. 134 millions de dollars rien que sur son territoire, auquel s'ajoutent 165 millions à l'international, soit au total une recette de plus de 300 millions. Paris, largement réussi pour les Sultan et Richard Donner. Le film débarque sur les écrans français quelques semaines plus tard et réalisera là aussi un très bon score avec 2 600 000 entrées. Sachant que le comics et le personnage étaient bien moins populaires chez nous. Comme pour La Tour Infernale et Les Dents de la Mer, un nouveau doublage a été effectué en 2001 pour la sortie d'une nouvelle édition DVD. La Warner s'est justifiée en invoquant l'ajout de scènes supplémentaires qui n'avaient pas été doublées en 78. Je crois qu'il ne tient pas tellement à me la donner. Je veux savoir où est cette capsule de gaz. Quelque part. <laughs> en réserve dans mes projets théoriques. <laughs> Une petite idée qu'il m'arrive de caresser. Et c'est avec ça que ton esprit malade cherche à se distraire Je crois qu'il ne veut pas, monsieur Luthor. Ça suffit, Luthor. Où est cachée la capsule Quelque part quelque part dans mon esprit à vrai dire <laughs> c'est une idée qui me trotte dans la tête c'est ainsi qu'un cerveau pervers comme le vôtre se plaît à fonctionner alors pour être honnête ce nouveau doublage n'est pas aussi catastrophique que celui de la tour infernale ou des dents de la mer toutefois je préfère celui de 78, car c'est avec celui-ci que j'ai grandi I don't think he wants me too, Mr. luthor all right, luthor pellet Somewhere. It's the back of my mind, actually. Après la sortie du film Superman en 78, le monde découvrait non seulement une nouvelle ère pour les super-héros au cinéma, mais aussi l'incarnation parfaite d'un personnage qui jusqu'alors semblait réservé aux pages des comics. À une époque où le genre était encore perçu comme kitsch ou puéril, Richard Donner a réussi à imposer un ton sérieux et respectueux qui a donné ses lettres de noblesse à l'homme d'acier. Et ce qui aurait pu être un pari risqué, rendre crédible un homme volant en collant, est devenu un véritable phénomène. Je n'ai pas eu la chance de découvrir ce premier volet au cinéma, mais en VHS au milieu des années 80. Ce fut un moment inoubliable, le genre de film qui vous emporte très loin, qui vous fait rêver comme aucun autre film de super-héros n'est capable de le faire aujourd'hui. Contrairement à ce que certains pourraient penser, Superman n'est pas seulement un film d'action avec des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, c'est une véritable épopée qui, sous ses airs de blockbuster, parle avant tout d'identité, d'humanité et d'espoir. Donner nous livre une œuvre qui va bien au-delà du simple divertissement. Il explore la dualité d'un homme qui doit choisir entre ses origines kryptoniennes et sa vie sur Terre. Dès les premières scènes sur Krypton, on est immédiatement transporté dans un univers à la fois éloigné et mystérieux, mais aussi émouvant. Le personnage de jor L, interprété par Marlon Brando, confère à l'ouverture une dimension tragique qui donne une profondeur inattendue à un film de super-héros. Et c'est là toute la force du film. Superman n'est plus qu'un héros invincible, c'est un être seul pris entre deux mondes dont le destin est de protéger une planète qui n'est pas la sienne. L'une des plus grandes réussites de Superman réside évidemment dans le casting et Christopher Reeve interprète à la perfection ce rôle iconique. Ce qui frappe dans sa performance, c'est à quel point il parvient à incarner deux personnages en un. Son Clark Kent maladroit et timide et l'antithèse de son Superman sûr de lui est charismatique. Reeve réussit là où beaucoup auraient échoué, rendre crédible cette idée d'un super-héros caché sous une simple paire de lunettes. Mais au-delà au du personnage principal, il est impossible de ne pas mentionner la performance de Gene Hackman en Lex Luthor. Hackman apporte une touche de légèreté et d'humour à ce film qui, sans cela, aurait pu sombrer dans le sérieux absolu. Luthor est à la fois machiavélique et burlesque, un méchant qui ne se prend pas toujours au sérieux, mais qui incarne parfaitement l'opposition à Superman, l'intellect contre la force brute. Visuellement, Superman reste impressionnant, même après toutes ces années, et les effets spéciaux, bien qu'ayant vieilli, demeurent emblématiques. Donner réussit ici un tour de force, faire croire au public que l'homme peut voler, et cette magie opère à chaque visionnage. Sa mise en scène est inspirée et inventive, comme dans ce merveilleux mouvement de caméra où l'on passe de Superman à Clark Kent en une seule prise. Là où certains films de super-héros tombent dans la surenchère ou la caricature, Superman réussit un équilibre parfait. Tonner évite de tomber dans le piège de la grandiloquence et propose une œuvre sincère qui prend le temps de développer ses personnages et ses thématiques. La relation entre Superman et Lois Lane est touchante sans être mièvre, et leur alchimie donne lieu à certaines des scènes les plus mémorables, comme leur célèbre vol nocturne au-dessus de la ville. La musique de John Williams est bien entendu un autre des piliers de ce film. Les premières notes de ce qui reste le plus beau générique de l'histoire du cinéma, on sait qu'on va assister à quelque chose de grandiose. Alors certes, on pourrait reprocher au film quelques longueurs, notamment dans le développement de certains personnages secondaires. Et oui, la dernière partie avec la manipulation du temps est un peu tirée par les cheveux, mais Superman reste le modèle de tous les films de super-héros. Il a ouvert la voie à tout un genre cinématographique et son influence est toujours visible aujourd'hui. C'est un récit universel sur le bien et le mal, sur le devoir et le sacrifice. Le tout enveloppé dans un spectacle visuel et émotionnel d'une rare intensité. Plus de 45 ans après sa sortie, personne n'a représenté Superman aussi bien que Richard Donner l'a fait en 78. J'avoue que parler des éditions DVD et Blu-ray de Superman est un casse-tête, tellement il y a eu d'éditions différentes. Version cinéma, version longue, version avec VF d'origine, version avec le nouveau doublage, etc. etc. Bref, il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des vaches à lait. Je vais donc faire court il y a eu en 2007 une édition Blu-ray simple avec le nouveau doublage uniquement, puis en 2012 un coffret Blu-ray anthologie comprenant tous les films de la saga, plus le Superman de 2006 réalisé par Brian Singer. Le même coffret est sorti en DVD en 2020. Et en 2023, il y a eu une édition 4 Collector comprenant les 4 films de la saga mais sans la version de Brian Singer. Ce coffret contient également les versions Blu-ray ainsi que la VF d'origine. Si vous voulez la VF de 78, regardez bien les spécifications techniques au dos du DVD ou du Blu-ray. Si vous voyez VF en 5.1, c'est le nouveau doublage. Si vous voyez VF en 2.0, c'est le doublage d'origine. Du côté de l'image, la dernière édition 4K Blu-ray a été restaurée. Les couleurs sont vives, la définition est propre, même si certaines scènes sont un peu granuleuses. Les noirs sont profonds et les détails sur les visages et les costumes sont remarquables. Certes, cette restauration n'est pas aussi spectaculaire que certains classiques sortis dans les années 70 ou 80, mais ça reste supérieur au premier Blu-ray et bien sûr au DVD. Presque toutes ces éditions contiennent de nombreux suppléments, dont certains m'ont servi pour cette rétrospective. Les commentaires audio des producteurs et de Richard Donner ne sont malheureusement pas sous-titrés en français, une habitude chez Warner. Je peux les arrêter d'un geste grâce à mon détonateur. J'en ai assez. Où est-il Où est le détonateur Oh Tu croyais le cacher à mes yeux dans une caisse en plomb N'en les touche pas. Ah, je te l'avais dit. Alors, comment montrer Clark à apparaître à la porte quelques secondes plus tard sans coupure C'est le coup de génie de Donner qui avait déjà surpris le spectateur dans la malédiction lorsque l'irémique bascule dans le vide et s'écrase au sol. Pour réaliser cet effet, l'équipe d'écho a conçu l'appartement de Loïs et coupé environ un tiers de son balcon. Ce tiers avait été construit au studio Shepperton et Reeve a été filmé en train de dire au revoir et de s'envoler. Loïs est devant un écran de projection frontale, mais on dirait qu'elle se tient sur son balcon avec Metropolis en arrière-plan. Des mois plus tard, le décor de la terrasse de Loïs a été construit à Pinwood et Donner a continué le processus de cette prise de vue. Le feuillage est là pour dissimuler la rupture dans l'unité de projection. Superman s'envole, Loïs traverse les petits buissons de son balcon. C'est à ce moment-là que la caméra utilisée pour la projection frontale a été libérée et connectée à un chariot, ce qui n'avait jamais été fait auparavant car la caméra faisait généralement partie de l'unité de projection elle-même. La caméra suit alors Loïs qui se dirige vers la porte 20 secondes après que Superman se soit envolé et il apparaît dans l'embrasure de la porte sous les traits de Clark Kent. Ce plan est absolument sublime en plus d'être une véritable prouesse technique. Euh, « Je vous sers un verre de vin ?»« euh, Non merci, quand je vole, je ne bois pas. »